Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode sur Blockfruit. Alors, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez mettre le maximum de likes. Ça ferait super plaisir. Alors, pour moi, mon but premier aujourd'hui, c'est de débloquer une île et de tuer le premier boss. Donc, on va commencer à faire la première mission. Donc, la première mission, tout simplement, il demande de tuer 5 bandits. Ça va nous faire gagner pas mal d'argent. Et de l'XP qui va nous permettre d'avoir des stats. Alors les amis, je vais quand même vous donner un petit objectif. Alors on va faire un petit objectif de 25 likes, ça serait franchement sympathique. Donc comme on a accepté maintenant la mission bandit, ce qu'on va devoir aller faire, c'est aller les tuer 5 fois. Et dès qu'on les aura tués 5 fois, on va gagner pas mal d'XP et pas mal d'argent. Je crois que c'est 350. Donc normalement, on va avoir nos premières stats, donc nos stats de niveau 2. Les stats de niveau 2 vont nous permettre d'avoir plus de puissance pour débloquer plus facilement les fruits. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Dites-moi si je me trompe. Bon, les combats sont toujours aussi chiants et aussi longs, bah, parce qu'on n'a pas de fruits, on n'a pas de compétences, on n'a vraiment rien. Mais bon, c'est que le début, on est là pour gagner notre première somme d'argent. Donc là, on vient de débloquer les stats de niveau 2. Alors au début, je vais en mettre un petit peu partout. Et après, quand on sera sur une autre île, je vais tout réinitialiser et je vais tout mettre quasiment dans une case. Alors là, je continue mes petits combats. Bon, les combats qui sont quand même assez longs, car là, les stats qu'on a débloqués, je vous le dis, ça sert complètement à rien. Mais c'est pas grave. Et aussi, j'aimerais tellement changer ce personnage, parce que ce personnage, il ressemble vraiment à rien. Je ne vais même pas vous montrer sa tête, parce que je pense que vous connaissez. Donc là, je suis débloqué au niveau 10. Donc je me suis un petit peu avancé. Donc regardez les stats que j'ai. J'ai mis niveau 10, niveau 2, niveau 9, niveau 3, niveau 5. Mais après tout ça, je vais le réinitialiser. Et le pistolet, je vais mettre 0 ou 1. Enfin, 1, c'est le minimum. Et en haut, je vais mettre aussi 1. Bon, on va aller directement là-bas. Ah oui, j'ai oublié. Il faudrait faire le petit premier 7 hommes. Donc, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours servir. Donc, on fait le premier 7 hommes. Et on va directement aller au bateau pour aller à l'île d'en face. Donc j'accepte et je prends le bateau, pas celui à 300 bien sûr, on prend celui gratuitement, bon il est pourri mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Bon du coup voilà, on est arrivé là-bas, donc on va aller voir pour la prochaine quête, donc la prochaine quête qui est pas très loin. Donc je pense que ça va être du coup tuer les singes parce que je connais pas trop cet endroit mais j'en ai déjà entendu parler. Alors oui, donc c'est tuer les singes. Donc ça nous fait gagner 800$ et 2300 d'XP, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc on accepte la quête, alors on en a 6 à tuer, donc ça va être assez simple. Bon je vois quand même qu'ils sont pas si simples que ça à tuer, mais c'est normal, on n'a pas encore les compétences, on n'a pas les bonbons, on n'a rien, on n'a aucun équipement, on n'a complètement rien sur nous. Mais je pense que ça va être quand même assez simple, donc comme tu le vois là, il m'en manque plus que un à tuer et dès que je l'aurai tué, la quête sera terminée et je pourrai faire la prochaine. Attends, mais vous, je vous vois derrière l'écran là, vous moquez de moi parce que je galère et j'arrive presque à mourir. Bon, là, c'est fini. Donc là, vous voyez que j'ai rush niveau 15. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la prochaine mission. Donc, je prends l'aiguille et elle me dit où me situer. Bon, là, c'est pas très compliqué, c'est toujours sur la même île. Donc on va récupérer et je pense qu'on va récupérer la quête gorille. Bon là je suis un peu en train de galérer, c'est du n'importe nawak. Oui, comment il est resté bloqué? Oh là là, bref. Donc là on va accepter la quête, on va prendre la quête de gorille. Donc la quête gorille qui va nous faire gagner tout simplement 1200$ et 4500 XP. Donc c'est franchement super cool. Donc comme vous voyez là j'ai rush 20, donc je vais continuer et là je vais aller battre le roi. Donc le roi gorille, tout le monde le connaît avec sa petite couronne sur la tête. Donc voilà, désolé j'ai dû faire une petite pause, j'ai eu un petit problème à côté. Donc là on va directement aller se situer. Oh je crois qu'il y a un coffre, qui on récupère le coffre, 262$, donc c'est toujours pas mal. Alors là on va aller se situer au gorille, donc là il est ici. Donc oh putain mais il est dur, je vais essayer d'aller prendre mes attaques. Mais mes attaques sont pas non plus très puissantes, enfin voilà l'attaque que j'ai. Bon ça j'ai horreur de ça, ça c'est la pire chose. Parce que si tu t'en vas pas, tu peux directement mourir parce qu'après tu attaques et là c'est fini. Donc je continue, j'essaye. Oh, c'est qui? Oh, oh yes, merci à cette personne, je sais pas qui c'est. Grâce à cette personne, j'ai pu finir le gorille. Donc là je vais rush 30 et je vous reprends quand j'ai rush 30. Donc là c'est fini, j'ai rush 30. Donc comme vous voyez,
on va pouvoir débloquer du coup la prochaine île. Donc j'espère qu'on fera ça dans le prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on va voir dans les stats. Alors dans les stats, comme vous voyez, j'ai tout réinitialisé. J'ai mis beaucoup en mêlée et tout ça. Et voilà la prochaine île qui est là. Donc si ça t'a plu, tu n'hésites pas à liker, à t'abonner et enregistrer la vidéo. Et mettre en commentaire que tu veux l'épisode 2. C'était le Pense Bête. Bisous.